Calle. C'est bon. C'est bon à entendre. Et dans votre hymne, vous vous plaignez, vous vous chagrinez que vos droits sont bafoués, que c'est les hommes qui sont vos obstacles. Une chose est de reconnaître ses droits et de les revendiquer. Mais une chose est aussi de savoir qu'un esclave, on ne l'affranchit pas. Mais l'esclave, pardon, on ne le libère pas. Mais l'esclave s'affranchit. Chère maman, vous devez vous affranchir. Monsieur le directeur préfectoral des affaires sociales vient de tout dire. Nous n'allons pas, encore que nous sommes des créatures de Dieu, en homme, quelqu'un l'a dit, que Dieu ayant créé l'homme, l'a vu étaler et lui a ajouté une femme. Vous êtes nos compliments. Nous les hommes, nous n'allons pas nous permettre votre domination. Vous devez vous battre. Vous avez dit tout à l'heure que le corps judiciaire se bat, la chefferie traditionnelle se bat. Nous, vos maris, nous nous battons pour votre évolution, pour votre développement, pour votre épanouissement. Mais il faut même que vous vous mettez à la tâche. Un petit exemple, quand nous allons à la radio pour la sensibilisation, on invite les femmes. Elle dit, moi, c'est mercredi, je suis au marché. C'est vendredi, je suis au marché, j'ai mes affaires. C'est ça, mais il faut pas aller, intérêt personnel. Il vous faut de la sensibilisation, il vous faut de la conscientisation. C'est très important. Je dois remercier celles qui ont fait le sketch tout à l'heure, M. Akako et M. Kouma, des femmes déguisées en hommes, et qui ont retracé tout justement ce qui se passe dans tous les foyers. Je les remercie vivement, mais néanmoins ça va droit à nous les hommes. Quand la femme est libérée, l'humanité est libérée. Votre présidente d'organisation a soumis une doléance à l'endroit des autorités de la commune de Tabligo et aux autorités de la préfecture, celle qui est la construction d'un centre culturel pour la promotion de la femme. Bien avant cette doléance, nous nous battons. Ça ne va pas tarder à venir parce que... Une mère ne peut demander rien à son fils, à son enfant, et l'enfant ne va pas respecter. Également, nous voulons signifier à nos mamans qu'il est habituellement dit que Dieu veut ce que femme veut. Que femme veut, Dieu ne veut. Et nous disons qu'une femme est une forteresse qu'on ne peut assiéger qu'à genoux. Et à nos hommes de tout faire. Voilà. Donc, on ne va pas trop continuer puisque le directeur préfectoral des affaires sociales nous a tout dit au nom de M. le préfet.
et au nom de Monsieur le maire, je vous souhaite bonne continuation de cette activité. Que Dieu vous garde.